Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui bienvenue sur la terre des immortels. Salut celui qui a la mine renfrognée. Il faut lui dire bienvenue sur la terre des immortels. Celui qui ne t'a pas souri, celui qui ne t'a pas souri, il faut le S'il ne t'a pas souri, il faut lui demander si c'est parce qu'il n'a pas brossé les dents. C'est à cause de ça. Est-ce que tu peux sourire en montrant les dents blanches à celui qui est à côté de toi? Et dis-lui, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans Actes 20, verset 8 à 12. Mais c'est de l'essai ou ma ota tanton. Il ramène nous quand on compte en oué. Je rends grâce à Dieu qui a permis que je sois là ce soir encore. Ce n'était pas prévisible, ce n'était pas prévu. Même moi-même, je n'avais pas planifié. Vous savez que vous avez un homme de Dieu qui est mort. Il a prévu toutes choses. Il savait que je serai là ce soir. Que son nom soit loué. Dis merci aussi au Père et à son esprit que je vois ce soir. Et que Père soyez remercié. Que Dieu vous bénisse. Et je remercie aussi le peuple de Dieu qui est là ce soir. Vous qui êtes dans la présence de l'Éternel. Et vous n'êtes pas venu pour un homme. Même pour Dieu. Et je sais que même si vous veniez et vous ne trouviez personne, vous allez rester prier, rentrer à la maison. Parce que ce n'est pas forcément que Dieu va passer sur quelqu'un pour vous voir. Dieu lui-même, il vous voit directement. Il vous voit directement. Et il va régler vos problèmes. Ton amen est chétif pour moi. Amen. Le titre de mon message ce soir, je peux avoir... Le passage à l'écran. Actes 20, verset 8 à 12. Le titre de mon message, c'est Éticus. Les chrétiens des temps modernes. Éticus, il sait non. Et il renoué, il détoué. Acte 20, verset 8 à 12. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Éticus, qui était assis sur la fenêtre, dit à celui qui est à côté de toi, fenêtre. S'endormit profondément pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil. Il tomba du troisième étage en bas. Et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla encore jusqu'au jour. Après quoi il partit.
Le jeune homme fut ramené vivant. Et ce fut le sujet d'une grande consolation. Quand nous lisons ces versets, nous voyons Paul qui prêchait dans une maison. Paul qui prêchait quelque part. Parce que c'était le moment de la persécution. Et les églises n'étaient pas encore construites. On faisait les cultes de maison. Les cellules de maison. Lors du sermon de Paul, nous voyons un jeune homme qui était assis au mauvais endroit. Il était au mauvais endroit. Il était à la fenêtre. Quand on est à la fenêtre, c'est être concentré sur ce qui se passe à l'intérieur et être concentré sur ce qui se passe à l'extérieur. En fait, ton âme ou bien ton esprit est divisé en deux. Ton attention est sur ce qui se passe à l'intérieur et ton attention est ce qui se passe à l'extérieur. Il était en train d'écouter Paul, mais il écoutait ce qui se passait à l'extérieur. Si nous prenons l'exemple des voitures, nous voyons que ceux qui restent à côté de la portière, ils peuvent écouter les conversations qui se passent à l'intérieur et ils peuvent voir le paysage, voir ce qui se passe à l'extérieur. C'est ça, non? Ceux qui ont déjà pris voiture une fois. Si c'est par exemple un avion, et quand les gens s'asseyent à côté de l'hublot, pour ceux qui voyagent par avion, et je te vois aussi voyager par avion au nom de Jésus. Amen, amen. Même si tu n'as pas de carte d'identité, mon Seigneur créera les surprises pour que tu puisses savoir ce qu'on appelle hublot. Au nom de Jésus, quand vous êtes de ce côté-là, vous voyez ce qui se passe. Voilà un peu ce qui se passait avec Éticus. Il est l'image des chrétiens mélangés. Il aime Dieu et il aime le diable. Il ne veut pas perdre le Seigneur, mais il ne veut pas aussi perdre le diable. Il écoute à la fois les chansons chrétiennes, mais il écoute à la fois les chansons mondaines. C'est lui qui suit les actualités pour voir les nouvelles chansons chrétiennes qu'ils ont sorties. Mais quand une chanson mondaine aussi est sortie, il écoute les deux. Le matin, quand il se lève, il joue la chanson chrétienne. Et quand il veut dormir, il joue la chanson mondaine. Le soir, quand il revient à la maison, il joue la chanson mondaine. Il dit, c'est pour me détendre un peu. Les chrétiens Éticus. C'est un chrétien qui aime le fétiche, qui aime le diable. Et il a Amasigo qui est là. Il y a l'huile d'onction aussi qui est là. Des fois, il prend Amasigo que le fétiche lui a donné. Et il met l'huile d'onction là-dessus pour renforcer ça. Acclame le Seigneur, acclame Dieu. Éticus, c'est les chrétiens qui n'ont pas encore choisi. Ils sont dans la contentologie des deux. Et Aboy, j'ai rencontré un vieux qui venait à l'église. Dans sa main, il y avait la croix des catholiques. Il y avait le truc des musulmans aussi. Et il me dit,
qui va aussi à la cabale. Qui nous relèvons pourquoi les choses aient beaucoup de force. Des chrétiens éthiqueux. Ils sont partout. Ils sont en train de choisir la sanctification. Mais ils mélangent encore. Vous devez quitter vos fenêtres spirituelles. Mais vous êtes bien assis sur les chaises à l'intérieur. Mais spirituellement, vous êtes assis à la fenêtre. Amen. Amen. Et vous êtes au mauvais endroit. À la fois, il est venu pour écouter la parole de Dieu. À la fois, il est venu pour draguer femme. À la fois, il est à l'église. À la fois, il est en train de Facebooker. À la fois, il est en train d'écouter la parole de Dieu. Il est en train de faire WhatsApp en même temps. À la fois, il est dans l'église. Il est en train de faire il se bête à l'église. À la fois il est venu pour entendre Christ. Mais des fois il est venu pour montrer sa jolie habille. À la fois il est venu à l'église pour écouter la prophétie. À la fois il s'assoit pour sortir sa nouvelle chaussure qu'il vient d'acheter. À la fois il est venu à l'église. À la fois il est venu montrer sa montre. C'est pourquoi tout le temps la main doit être comme ça. Tout le temps la main doit être comme ça. Tout le temps on doit sortir le pied comme ça. Ou bien on doit sortir le pied comme ça. Des fois on doit se lever pour faire comme si on veut sortir pour pouvoir montrer son habit. Éticus. Éticus. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, tu es Éticus. Ou bien tu n'étais pas encore retrouvé dedans. La Bible nous déclare. À un moment donné. Il fut pris par un sommeil. Et il tomba du côté. Il est tombé à l'extérieur. Il est tombé du côté vide de la chambre. Et il est mort. Il était assis au mauvais endroit. Et ce mauvais endroit là lui a causé la mort. Toi aujourd'hui, où es-tu assis? À Dijon. Tu es bien assis dans l'église, on voit. À Dijon, mais spirituellement, qu'est-ce que tu fais? Où les esprits t'ont positionné? Quelle est ta place dans l'église spirituelle? Pour qu'il tombe au dehors. À un moment donné, c'est que son poids s'est penché du côté de l'extérieur. Est-ce qu'on est d'accord? Si son poids était penché du côté de l'intérieur, il allait tomber du côté de, il allait tomber dans la chambre. C'est parce que son poids s'est penché du côté de l'extérieur. Et il est tombé. Il y a des endroits qui causent votre mort. Il y a des choses que nous faisons. Et ces choses-là nous causent notre mort. Et il ne faut pas demeurer à ces endroits. Ce soir, la parole de ce soir vient pour que tu fasses une étude sur toi-même. Qu'est-ce que je fais? Et qui peut causer ma mort? Qu'est-ce que je fais? Et qui peut m'exposer? Parce que quand il était là, et il était tombé, c'est, tout le monde l'a vu. C'est que tu vas t'exposer et on va te voir. Vous devez quitter vos promesses, vos fenêtres de compromission. Et entrer réellement dans la parole. Parce que Dieu même est fatigué des chrétiens mélangés. C'est les caractéristiques des fidèles de nos jours. Les fidèles des temps modernes.
Ils lisent la Bible sur le portable. Dans ce même portable, il y a des films pornographiques. Le portable qui a l'application de la Bible. Le même portable encore a les films pornographiques. De telle manière que dans le portable, Dieu dit pousse là-bas, je vais avoir la place. Le diable aussi dit toi pousse là-bas, je vais avoir la place. Tu ne vois pas qu'il y a de nouvelles vidéos pornographiques qui sont sorties. Et il t'amène même à désinstaller la Bible. Tu désinstalles la Bible. Pour pouvoir mettre les films porno là-dessus. Il s'amène à quoi? Soit il y a des choses. Tu prends. Et actuellement, le diable pousse des haïdaïs. Il y a des gens qui sont ici. Avec l'affaire là qui s'est passée à la Guinée. L'affaire de Balthazar. Oh, Balthazar, si, oh. Et ils ont ça, vous avez ça dans vos portables ici. Mais le portable est tout le temps est venu Garo. De supprimer ça dans vos portables. Oui, si, portables parce que c'est des endroits, c'est des choses. Le diable prend pour nous faire la cour. C'est comme quand on veut attraper un coq. On met de maïs par terre. Il picote un peu. Il picote un peu. Avant que tu ne saches, on t'a déjà attrapé. C'est ce qui s'est passé si tu cuses. Quand lui-même il était là, s'il savait que ça allait causer sa mort, il n'allait jamais rester. Il s'est fié à ses connaissances. Il s'est fié à son intelligence. Il s'est fié à son courage. Non, moi je ne vais pas tomber. Moi je ne vais pas tomber. Et finalement il n'est pas tombé. Il n'est pas non seulement tombé, mais il est mort. Il quitte la maison le matin en priant. Je parle des chrétiens éthiques. Il quitte la maison le matin en priant. Au boulot, il ne va pas voir stagiaire femme devant lui. Il va pas voir jeune fille devant lui. Les jeunes filles qui viennent vendre dans son boulot là. Il a ses numéros dans son portable. Et c'est des fois, c'est des noms codés ZKH. Is O Y. Pour que si le portable sonne là, madame même puisse appeler le portable. Papa, papa, quelqu'un t'appelle. Elle ne sait pas que c'est sa rivale, elle est en train d'amener comme ça. Papa Etikus, fire sur toi. Papa Etikus, hold way. Dis amen. Amen, webo. Dis amen. Et là, on peut dire. Les papas Etikus, papa Etikus, c'est des gens quand ils vont au boulot, bon, ils sont là à traîner dans des combines. Et là, le nom des jeunes filles, oh, c'est ça qui est Daddy Puissant 1. Daddy Puissant 1. Parce qu'il sait que si maman voit Daddy puissant là, il va croire que c'est le prophète. Il va mettre Daddy de Zogodome 2. Ou bien Daddy de Calavi 3. Daddy Calavi 3. Et demain, il va dire, tu sais qu'il y a des églises là-bas, non? C'est le pasteur qui est là-bas, c'est lui, j'ai mis. Le prophète, c'est comme ça, il y a des Daddy Godome. Et Daddy Godome, t'en es soudé. Et Daddy Atropokoji, Daddy Apapa. En toi, si, si, le kenene. Papa Etikus, fire papa, sur toi. Papa Etikus, ouais, nous, oh, dis, papa Etikus, dis amen, amen. 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 La relation avec Dieu. La relation avec Dieu, c'est une relation à 100%. Il ne faut pas laisser certaines choses et garder certaines choses. Ah, Dieu doit comprendre que c'est difficile. Hein? Être fidèle à sa femme là. Avec tout ce qu'on voit au dehors aujourd'hui là. Lui-même, moi-même, j'ai dit que je ne vais pas prendre une deuxième femme. Mais quand il est au courant, on a encore le corps où tu es. Que je vais jouer au dehors là. Est-ce que ça c'est encore, ce n'est pas accepté? Je n'ai pas dit que je vais prendre une deuxième femme. Oh, ma ou ma donna ta si wegoni. Et bien, et n'a donc à Kaboula.
Ce n'est pas facile. Dieu n'a pas dit que c'est facile. Mais il n'a pas dit que c'est impossible non plus. Dieu n'a jamais dit que c'était impossible. Il y a des mamans éticuses. Certaines mamans éticuses, c'est eux qui sont dirigeants de quartier. Ils mettent l'huile d'onction sur leur front. Ils mettent l'huile d'onction sur leur bouche. Pour pouvoir bien insulter. L'onction qui doit travailler dans eux. C'est pour pouvoir bien insulter. Et c'est pourquoi quand il y a bagarre, il va rapidement prendre son huile d'onction. Il met sur la bouche. Il est en train d'appeler l'onction d'insulteur. Et il commence par insulter les gens. Il commence par insulter les gens. Il commence par insulter les gens. Et tout le monde sait que si tu veux insulter, va confier ça à maman là. Bon, si elle t'insulte là, elle insulte quelqu'un à côté de toi. On peut lui reprocher tout sauf ça. Dieu a donné les choses aux gens, c'est mesouzoué na roué, maman est ticus. C'est insulte qu'il t'a donné. Maman Eticus. Quand j'ai dit ça, tu ne veux pas acclamer. Amen. Amen. Paul, le grand apôtre, est en train de prêcher. Oh, Paul, moi, ça, gouda, roi, ma, roi, et lui, il s'endort. Et y a, ouais, diable, toji. Aujourd'hui, Ebeo, il y a des gens qui s'endorment dans l'église. Même malgré la puissance des baffles aussi. Ils s'endorment facilement. Vous devez quitter les promesses, les fenêtres spirituelles. Si vous êtes éticus, sachez que votre chute n'est pas loin. Sachez que votre chute n'est pas loin. Il y a certaines personnes même en plein culte. Ils se permettent de faire des photos selfies. Et ils montrent en même temps sur statue. Aujourd'hui, le culte est grave aujourd'hui, hein. Ah non, c'est trop fort. C'est toi-même qui es fort. C'est toi-même là qui es fort. Éticus là, c'est ça qui est fort. Amen. Amen. Mais Dieu fera que tu ne seras pas éticus. Si tu étais éticus, tu ne vas plus être éticus au nom de Jésus. Amen. Les éticus, c'est ces personnes qui viennent à l'église, mais qui s'habillent bizarrement. Il y a des éticus et qui viennent, et souvent, ça peut être un homme, parce qu'il s'est bien habillé, et parce qu'il est en train de guetter la sista. Il est en train de guetter la sista. Il met son parfum. Et il attend que le culte commence. Et c'est là qu'il va marcher. Pour rentrer. Encore qu'on a des carreaux ici. Et il va s'asseoir quelque part. Vous êtes en train de voir guetter la sista. Sista, est-ce que tu es au coin ou même qu'on s'est d'oyagi? Est-ce que la soeur me regarde en réalité? Sans Dieu, il prend position. Quand tu presses d'alors, il doit presser d'alors. Il doit créer. Alléluia! C'est pas pour Alléluia, pour Alléluia. Hein. C'est Alléluia pour que la sœur puisse entendre que. Les frères éticus. Il y a aussi des sœurs éticus. Quand elles viennent à l'église, c'est pour rester devant. Ou bien c'est pour rester au bord. Et quand elle reste là,
Elle ouvre la chambre secrète. Et il n'y a ça. Et des fois, vous pouvez voir, on est en train de prêcher. On dit Jesus. Vous pensez qu'il a vu un esprit? Oh, c'est parce qu'on a ouvert la fenêtre là. Parce que c'est un magasin là. Il a dit de voir le nouveau produit qui est là. Et des fois il porte des trucs. Ou bien si c'est le moment de pouvoir danser. C'est en ce moment. Et il vient. Il porte des trucs. Et on reste devant le pasteur. Ou bien l'homme de Dieu. Non, acclame le Seigneur. Je n'ai pas dit que danser c'est mauvais. Des fois on danse comme ça. Et ceux qui sont anciens ici maîtrisent comment, si je suis pris par l'onction de la danse que je fais. Je suis en train de parler de l'intention qui est derrière. Parce qu'il ne faut pas que désormais les gens commencent pas à danser, on va dire c'est un ticus là. C'est du pasteur. C'est toi qui dis ça là qui est ticus. Parce qu'il y a des gens, quand la parole de Dieu sort, il dit oh merde. Jacqueline Noir. Qui porte des pantalons moulants. Bueno, do au pantalon bonnet très de haut. Serré. Bueno, très de haut. Cimenté. Bueno, cimenté. De telle manière que quand un muscle bouge. Bueno, kaka bueno akbaza to lo utan we o. C'est tout le corps. Amoro akbaza bi we. Qui fait zèr. Et na zèr. 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 Et c'est ça elle porte. Eni owe na to pour aller au boulot. Bona ya somme. C'est ça elle porte. Eni owe na to pour aller à la boutique. Bona yinu sate. C'est ça elle porte. Et na to pour même aller vendre. Et quand tu lui demandes, je me fais belle pour mon mari. Donc ton mari devient tous les hommes qui sont dehors. Et tout ce que tu dois lui montrer. Ou bien tu es en train de dire aux autres, voilà ce que mon mari seul regarde. Vous aussi faut regarder un peu, non? Vous aussi faut regarder un peu. Et toi-même, tu montres les États-Unis. Tu montres les États-Unis. Avec la Russie ensemble. Et je ne sais pas, et avec la France. Parce que tu as le devant qui est comme ça. Le derrière qui est comme ça. Et tu mets tout ça là en valeur. Pas pour ton mari. Et sur la voie, tu bouges à gauche. Tu bouges à droite. Tu bouges à droite. Et non, qui concède, ouais. Tu bouges à droite. Qui concède, ouais. Et des fois, bon, elle est là. Et non, dauphiné. Hier passé, aujourd'hui est présent. Fais quelque chose dans ma vie. Hein? Avec ce que Dieu va encore faire quelque chose d'autre en plus de ce qu'il fait déjà. Éticus n'est pas loin de la femme de Lot. Vous connaissez l'histoire de la femme de Lot. Qu'on est en train de sortir de Sodome. Mais elle était en train de regarder derrière. Elle était en train d'aller au lieu de la liberté. Mais elle gardait les yeux sur où elle a quitté. Les chrétiens qui ont les vies mélangées. Est-ce que tu veux servir le Seigneur? Ou bien tu veux servir le diable? Et il y a des gens. Et vous devez savoir aussi que Éticus n'a pas fait le programme de tomber.
Jésus-Christ n'a pas fait le programme. Comme toi aussi, tu n'as pas fait le programme de chuter. Des gens ont juré pour dire, je ne vais plus jamais voir les films pornographiques. Plus jamais voir les films pornographiques. Les vidéos de Balthazar que tu as dans ton portable. Oh, Balthazar, c'est un film. C'est les vidéos de délivrance. Oh, délivrance, c'est une vidéo. Quand on est dans là. Ou bien c'est les adorations. Ah oui, il y a un pas mal où ton est fini. Afouka, afouka, il y a un mal qui parle à Dieu. Adoration n'est pas encore là. Et nous avons fait l'adoration à Bono et Bibon. N'est pas bloqué, moi, Dieu. Pour aussi voir ce qui se passe dans le pays. Les messages que nous prêchons ici. Toi, tu n'enregistres même pas ça sur ton portable. Pour aller écouter. Quand nous faisons les prières, tu dois enregistrer ça. À la maison même. Tu dois allumer ça. Et ce sera en train de jouer dans ta maison. C'est comme si tu es en train de prier. Des fois, tu écoutes ça jusqu'à dormir. Ton esprit continue toujours pas à écouter. Parce que tu auras ramené l'atmosphère de prière à la maison. Mais si c'est mes frères Adja, King Jigri. Ils ont ça dans le portable ici. Il y a le portable, mais nous, ça dans le portable. Il y a le portable, mais nous. Il y a des gens même qui mettent ça sur sonnerie. Mais là, non, c'est pour sonnerie, étant dit. Si on décide même, on prend tous les numéros de portable qui sont ici. Et non, mais il y a le camarade aussi, là, c'est le numéro de portable. On dit que tout le monde met ça sur sonnerie. Et non, mais il y a le sonnerie, Dieu. Quelle est la musique qui va sonner? Musique de terre, quand c'est le tout. Sur ton portable. Le tout est Dieu, on t'a énoncé. Maman. Nomiton. Papa. Otao. Jeune branché. Oh, grand frère branché. Avec les musiques aujourd'hui qui sortent. Pour musique et le titon et Gwélé. Et quand ton star sonné va sonner tout à l'heure. Oui. Quand, oui. Qu'est-ce que la musique qui sera là-dessus? Oui, il y a un portable tout en terre, en éternité. Oh, moi, il y a ma jomido. Et moi, il y a c'est à cause de mon mari que j'ai mis ça. C'est pour papa, c'est sonnerie de papa ça. Et c'est maintenant la chanson a sonné. Ouais, non, tu es papa appelé. Tu vas ramasser tes bagages aujourd'hui. Eh, musique on est donné, papa, car il a dit, bon, on dit, hé, na, ouais, pourtant c'est moi qui a sonné tout à l'heure. Eticus. Il n'est pas tombé parce que le culte est long. La Bible n'a pas dit que c'est parce que le culte prenait du temps qu'il est tombé. Si vous lisez à partir du verset 11, vous allez voir qu'on a dit Paul a parlé jusqu'au lendemain. Il a commencé la nuit et il a parlé jusqu'au lendemain. Eticus, pourquoi il n'a pas choisi la table? Pourquoi il n'est pas resté à côté d'une table? Pour mettre la tête sur la table. Si pour dormir. Eticus pensait que j'allais gérer. Non, moi je vais gérer. Ça là, il n'y a pas de problème. Non. Si c'est seulement 4 bouteilles de bière. Non, ça là, ça ne va rien faire. Si j'ai déjà trouvé 200 francs, il t'attend.
Et je suis encore. Bon, quand je prends ça comme ça, là, j'ai encore les yeux clairs pour non, entrer. Merci, Blontino, mine. Non, billet de 8 bouteilles va me faire quoi? À moi, à toi. Est-ce que tu es Jacqueline? Oh. Mon ex Jacqueline là. Et il bon, Nounibi. Il m'a appelé, je l'ai montré que je continue de boire, j'ai bu correctement. Nounibi. J'ai bu correctement. Il a senti et puis il m'a donné la main. Il faut savoir que toi, tu n'es plus à la fenêtre. Hein. Tu es en train de tomber déjà. Ouais, bleu ni obo, dis donc, à 13 ans, pour le flèche, c'est où, mais à Oujaï. Toi là, tu es déjà en train de tomber. Ah, ouais, Oujaï, ouais. Sans dire, on va te relever mort. Ben, et quand on va te prendre. Mais ce ne sera pas ton cas au nom et de Jésus. Éticus. Les éticus créent des problèmes dans l'église. Éticus, ils remettent en cause des fois l'onction de l'homme de Dieu. Supposons. Si Paul n'avait pas opéré le miracle. Et non, Paul Maoz. Quand Éticus est tombé, si Paul n'avait pas opéré le miracle, qu'est-ce que les autres vont dire? Non, il est plus fort. Non, Paul a perdu son onction. Parce que Paul est revenu d'un voyage. Paul l'est aussi. Pour passer par là. Il est parlé avec eux avant de partir. Et mon vida, Paul, là, de quand il a voyagé, là, il s'est retrouvé une fille. Je vous ai dit ça, non? Daddy, oh, non, il tegbe. Ah, daddy, pas toujours, hein? Aujourd'hui, là, il est resté là-bas, là. Vous êtes sûr que daddy n'a pas une dame là-bas, là? Mais mon ewa et non bleu deux ou trois jours sinon moi il y a des vous voyez que quand il recharge il y a des vous voyez que il revient là il fait deux ou trois jours avant les éticus créent des problèmes dans l'église. Éticus le wa no parce que quand on ne règle pas leurs problèmes donc we no tagba e de toma mo sikon ils commencent par insulter l'homme de Dieu. Il dit moi aussi en soit ton ils disent il n'est plus fort. Il dit c'est rien. Il a perdu son onction. Il n'a plus ceci. Il n'a plus ceci. Il n'a plus ceci. Il n'a plus ceci. Excusez-moi. Les gens qui étaient présents. Mais au final, ils n'ont pas vu Éticus. Éticus. Pourquoi ils n'ont rien dit à Éticus? Éticus. Aujourd'hui, tu vois ton frère. Qui est en train de faire une mauvaise chose. Pourquoi tu ne l'appelles pas? Pour lui dire ce que tu fais là. Ce n'est pas bon. Tu es en train de le ramener dans la chambre. Voilà que toi tu ne peux pas dire. Parce que il y a de ce, le week-end passé. Vous deux vous êtes retrouvés dans la boîte de nuit. Maintenant, qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Même quand on te dit papa. Et toi, papa, oh. Le jeune là, tu vas le conseiller. Il doit renouer, tu vas dire, oh, vous les laissez. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est comme ça, ils sont. Et ils ne veulent pas changer. Et ben, parce que tu sais que. Donc, vous avez vu là-bas. Bon, c'est toi-même qui faisais le show. Bon, oui, de soir, oui, de déclaré. Bon, tu lèves le pied. Tu ramènes ça à gauche. Bon, non, donc, tu faisais acrobatie. Ah non, oui, les deux, mais ouais. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Voilà qu'il y a la maison. Toi et ton mari, vous êtes en train de bagarrer. Et on te dit d'aller conseiller la sœur. Comment tu peux faire? Maman Éticus. Papa Éticus. Nous devons changer. Ce message-là s'adresse à tout le monde. Pas seulement à vous. Même à moi-même qui suis ici. Parce que moi-même, je continue toujours d'apprendre. Ne croyez pas que vous avez un saint devant vous, non. Tout le monde s'efforce à se perfectionner. Amen. Amen. Il faut arrêter de critiquer et conseiller les jeunes frères, les jeunes sœurs qui commettent des erreurs, un papa qui commet une erreur, une maman qui commet une faute. Il ne faut pas commencer par l'insulter. Vous la connaissez aussi donc.
Ceux qui viennent de là-bas là. Moi, noblo, mais c'est comme ça ils font non. Mi chueto, oh, laissez-le. Non, Eticus va mourir. Et Dieu va demander, Dieu va te demander son sang. Dans Acte 2:42. La Bible déclare. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Aujourd'hui, nous ne communions plus dans l'église. Nous aimons critiquer. La communion fraternelle, nous devons nous visiter. Nous devons échanger nos contacts. Nous devons nous appeler. Nous devons nous encourager. Nous devons envoyer des messages. Frère, nous ne t'avons pas vu à l'église aujourd'hui. Tu as quoi? Sœur, nous ne t'avons pas vu à l'église aujourd'hui. C'est ainsi. La voix que on est en train de me considérer. La maman dit que on est en train de me considérer parce que des fois les gens ont besoin qu'on les fasse de câlins, les gens ont besoin qu'on les fasse des accolades, les gens ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour s'intéresser aux œuvres de l'église. Quelqu'un à qui tu as entendu qu'il n'a pas mangé, ou bien qu'il traverse des situations difficiles, si tu as un peu, tu te rapproches de lui, tu lui serres la main, même si c'est un petit 500, un petit 1000 francs, tu lui donnes. Si tu n'as pas l'argent, tu peux préparer à la maison. Et maman, je n'ai rien tout à vous donner. Aujourd'hui, j'ai fait la cuisine que vous avez apporté. Même si ce n'est pas tout pour vous là. Parce que toi, tu as entendu que depuis hier, ils n'ont pas mangé. Et tu fais ta chose, tu le remets. La communion fraternelle. Tu entends que tel enfant n'a pas trouvé de cahier. Même si c'est un cahier de 100 pages ou bien deux cahiers de 100 pages. Oh, tu vois l'enfant. Ah, toi, tu es beau aujourd'hui. Hein? Ou bien j'ai appris que tu es sérieux à l'église, à l'école. Oh, je vais te donner quelque chose, mais je n'ai pas beaucoup de choses. J'ai juste cahier ici, prends, je te donne. Tu trouves une manière de lui donner. Ou bien tu entends que tel. Et toi, tu te lèves la nuit pour prier, pour intercéder. Seigneur, souviens-toi de lui. Seigneur, souviens-toi de lui. Seigneur, souviens-toi de lui. Seigneur, souviens-toi de lui. Lui-même, il n'est même pas au courant. Mais toi, tu intercèdes pour lui. Mais si c'est les Eticus. Ah. Eticus, ils ont que tes parents là, ils sont assez pauvres, ils n'ont même pas pu t'acheter cahier. C'est à fort biné. Tu as encore les pieds pour parler aux petits. Toi, tu es là de soi. Il fait quoi même? Tu es tout. Laisse-le. Petit garçon, ils ont continué à même pas qu'il vient prendre ce cahier là pour aller utiliser. Ou bien quand il amène à main. Ah bien, je nous vois. C'est aussi 3 jours demi que ça mon tir au pédé ouvert. Depuis 3 jours là, j'ai appris que vous n'avez pas trouvé à manger. Bon, comment vous vivez encore? Monsieur, tu es fort, hein? Tu as résisté à la fin. Tu voulais qu'il meure. Okay. Il a mis un peu de pâte. S'il veut dire ça, il va en crier.
Il attend quand les gens sont là, il élève la voix pour que les gens entendent. Il va appeler sa femme. Chrétien éticus. Aujourd'hui, nous ne faisons plus la communion fraternelle. Nous ne faisons plus la communion fraternelle. Ou bien s'il donne quelque chose à cette sœur maintenant, le dimanche prochain ou bien le culte. Ce qui se passe à Ramasiti là. Ce que j'ai d'ici là, ils sont nombreux. Même la dernière fois, là, c'est moi qui ai tendu 100 francs ou 200 à cette soeur là. Sinon, elle n'allait pas trouver à manger. Fago. Non, mais ça, c'est vraiment difficile. Hein? Nous sommes en train de faire ce qu'on peut. Mais Dieu va nous aider. Parce que tu as donné 200 francs. Lorena, content de m'aider. Parce que tu as donné 500 francs. Lorena, content de m'aider ou tout. Et des fois aussi, la maman ou bien le papa. Parce que lui il n'a plus autre choix. Il va prendre. Et il va baisser la tête. Et être en train de pleurer. Seigneur, c'est ma condition ça. Éticus. Que sommes-nous devenus dans l'église aujourd'hui? À moins geste, nous aidons quelqu'un, nous voulons publier ça. En même temps, le soir, mais il fait audio au père. Badano pona enaze potable audio nous daddy. Oh père. Daddy. Oh. Vraiment ce qui se passe dans l'église là. Les gens souffrent. Ah non, j'ai entendu que ceci sur telle soeur ou bien telle famille là. Même aujourd'hui, c'est moi qui les ai aidés. Moi-même, je n'avais pas beaucoup, mais ce que je les ai tout donné. Et quand on cherche bien, ce n'est que 1 franc. Numéro les bio sous le 1 franc, dit même. 1 franc chétif, sans numéro qu'il a tendu. À mon 500, des œufs, au Libye. Ou bien les 500, la pièce de 500 n'a plus de numéro. Et c'est cette pièce qu'il a tendue. Et c'est un soma qui commence encore par dire ça. Tu es éticus quand tu fais ça. Éticus. Tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ton frère. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 12, 26. Corinthiens 12, 26. 1 Corinthiens 12, verset 26. Il a dit, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Que cela soit comme ça. Souffrons avec nos sœurs. Et réjouissons avec nos sœurs. Ne soyons pas des éticus. Les chrétiens modernes. Et Paul aussi. Paul de soi était descendu. Et j'étais. Paul n'a pas dit. Paul l'a dit. Moi, je suis en train de prêcher. Ça, c'est pour nous, les serviteurs de Dieu. Moi, je suis en train de prêcher. Moi, le grand apôtre. Le grand homme de Dieu. Et lui, il dort. Il n'est pas mort maintenant. Il n'est pas mort maintenant. Et quoi? Tu deviens comme ça. Parce que c'est lui qui est vrai. Il n'est pas mort maintenant. Écoutez. Laissez-le. Quand je vous dis ça, vous ne voulez pas croire. Vous ne voyez pas éticus, c'est mort maintenant. Maintenant, sans sa démarche change. Voilà. Non. Paul n'a pas dit ça. Paul de moi. Paul.
Paul, il n'a pas, regardez-moi ce cancre là. Nous voyons, ce vaurien. Il est allé en enfer. Il a eu pitié de lui. Il a eu pitié de lui. Le peu d'onction qu'il avait, la puissance qu'il avait, il a utilisé ça pour aller réveiller Eutychus. Il a essayé, même si ça ne marchait pas, Paul saura qu'il a essayé de le ressusciter. Il n'a pas pu. Nous ne devons pas être des hommes de Dieu Eutychus. Nous ne devons pas être des chrétiens Eutychus. Nous ne devons pas être des ouvriers Eutychus. Les ouvriers, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans la maison. Il est peut-être instrumentiste. Il sait, il ne vient pas. Il ne veut pas venir. Et ça, au respect, n'a mis ça. Les gens ne me respectent plus dans l'église. Sort au respect. On ne me respecte plus dans l'église. Non, quand même. Je suis le seul protocole. Je suis le seul intercesseur. C'est moi seul qui le caméraman. Quand Daddy veut me parle n'importe comment. Si je ne viens pas, je vais voir comment ils vont gérer les médias. Mawa, déjà, c'est là qu'ils vont comprendre qui je suis dans l'église. Qui je suis là, je vais leur montrer ça. Non, moi je ne vais plus donner l'argent. Parce qu'ils voient que c'est lui qui a un peu. Ils ne vont plus donner. Ils vont sentir. Ils sauront que c'est moi. C'est moi. C'est moi. Eutychus. Ce soir, Badamelo. Il n'y a pas Paul ici. Fia. Mais il y a Jésus-Christ. Jésus. Et la puissance de Jésus, va ressusciter les Eutychus qui étaient morts. Les gens qui étaient morts. Parce qu'ils étaient assis à la fenêtre. Parce qu'ils étaient tombés, ils sont déjà morts. La puissance de Jésus-Christ va vous ressusciter. Ceux qui sont assis à la fenêre. La puissance de Jésus-Christ va vous ramener. Et va vous trouver un bon siège à l'intérieur. Pour dire assieds-toi à l'intérieur. Toi qui es ouvrier dans la maison. La puissance de la régénération, de la résurrection, de la restauration, du rétablissement, de la rénovation, de la réinitialisation, du recommencement, du renouvellement, du rachat. La puissance là va agir en toi. Toi, on se moquait de toi. Est-ce que tu peux te lever sur ton pied? Toi, on se moquait de toi. Parce que ta condition n'est pas bonne. Parce que ta condition est misérable. Et les Eutychus se moquent de toi. Que le Seigneur est sur tes larmes. Que le Seigneur est sur tes larmes. Toi qui es un Eutychus, il y a des Eutychus involontaires. Il ne sait pas que ce qu'il fait, il fait comme Eutychus. Que le Seigneur ait pitié de vous. Que le Seigneur vous restaure. Que le Seigneur lui-même transforme votre vie. Et les Eutychus volontaires, comme le vrai Eutychus, il ne savait pas qu'il allait mourir. Et si les conséquences qui sont derrière, tu ne savais pas. Que le Seigneur lui-même te ramène dans sa prière. Il a dit, même si un seul sort, qu'il va laisser les 99 pour aller ramener le seul.
Si tu es cette personne-là qui est partie, que le Seigneur te ramène encore. Que le Seigneur te ramène encore. Si c'est ton mari, que le Seigneur ramène ton mari. Si c'est ta femme, que le Seigneur ramène ta femme. Si c'est tes enfants, que le Seigneur ramène tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux lever la voix et prier? Si tu étais à Éticus, que le Seigneur ait pitié de toi pour te ramener. Si tu étais à Éticus involontaire, que le Seigneur ait pitié de toi. Si c'est de toi les Éticus se moquent, que le Seigneur restaure ta vie. Oh Abba Père, je prie Seigneur Dieu de gloire pour ton peuple. Afin que tu les touches, 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 afin que tu les touches. Les Éticus involontaires, que toi-même tu les ramènes dans la bergerie. Les Éticus volontaires, que tu les ramènes dans la bergerie, Seigneur. Que tu les ramènes dans la bergerie, Seigneur. Que tu les ramènes dans la bergerie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite. Abba Père, comme un seul peuple, comme une même personne, comme une même famille, nous prions, Seigneur, pour la restauration de nos vies, la résurrection de nos vies, Seigneur, pour faire de nous une race royale, une race élue, une race mise à part, un parfum de bonne odeur pour ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Assieds-toi. Au nom de Jésus-Christ.